Moscato Show à 17h44, c'est l'heure du jeu. Donc le Kikadi, c'est Julien et Laurent qui s'affrontent, nos deux auditeurs. Et l'enjeu, c'est un séjour au ski d'une semaine, Risoul 1850. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, Julien, c'est Sulpice sur l'Aise. Haute-Garonne. Bien entendu. La Haute-Garonne. Ah. Toulouse. Alors la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône, mais c'est la Haute-Garonne qui choisit. Ouais. Alors, est-ce que la Haute-Garonne choisit la Haute-Garonne ou les Bouches-du-Rhône? Vincent, Eric. Je vais trahir le triangle. J'adore ça, c'est le meilleur moment de la journée pour allez, moi. Ça. Eric, Saint-Sulpice sur l'Aise, c'est pas loin de Saint-Sulpice sur la Pointe? Non, pas du tout. Pas loin. Ah bah tiens, ils sont en forme là. Julien et Laurent, question auditeur pour démarrer. Ligue 1, du foot de Ligue 1. Olivier Létang est le président de quel club? Rennes. Oui, Stade Rennais, bien joué. Tu as vu comme il est vite, mon petit. Rennes, Olivier Létang, l'ancien directeur sportif du PSG, Vincent, qui est devenu président du Stade Rennais. Il a l'air vif, le petit, là. Rennes. Là, normalement, tu dis, putain, on n'est pas chounard. Alors, vas-y, ouais. Dis-le. Mais toi, t'es dans mon équipe. Ça me fait rire. Donc, si t'as si ouais. Te fait rire, toi, qu'on perde, voilà. Tu dégages, je perds. Bon, 1-0 pour Julien. Bon, 12. Dimeco. Qui a dit? Peut-être que c'est de l'arrogance de notre part, mais on considère toujours qu'on a le meilleur dossier. Ah, la porte, Simon. Serge Simon. C'est pas la porte, c'est pas Simon, c'est le troisième. Ah, c'est Claudatché, ouais. Eh oui, la carotte, ouais, le mardi, les carottes. C'est le problème, quoi, c'est ça. C'est terrible, quoi. De quoi? Il fait que gueuler. Insupportable. Il fait que gueuler. Ah, bah, ah non, non, il gueule pas, il répond. Il peut pas réfléchir une seconde, quoi. Ah, parce que toi, quand il y a du bruit, tu peux pas réfléchir. Non, je peux pas réfléchir. Ah, bah alors tu sais ce qu'il faut faire. Il faut te curer. La personne qui a dit ça, c'est Claude Haché, qui est le patron de la candidature pour la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby. Donc 2-0 pour Julien, équipe d'Imeco. Claude Haché, un homme de dossier, on dit quand c'est comme ça. Parce que c'est lui qui gère les dossiers. Bah oui, ça, c'est sûr que c'est pas les autres. Non, c'est lui qui fait tout, en fait. Qui a dit? Mon passé de moniteur de ski m'aide beaucoup, je pense. Saint-André. D'ailleurs, beaucoup de skieurs sont bons derrière le volant. Ah, Augier, bonne réponse. Ah, c'est qui? Sébastien Augier. C'est moi qui ai trouvé, cherchez pas. Notre champion du monde de rallye. Je viens juste quand même de traiter 3-0. Jean-Luc Alphand, le moniteur de ski. Jean-Luc Alphand. Jean-Luc, si tu nous écoutes, Jean-Luc Alphand. On a perdu Maryse. Bon, 3-0. Tout est possible. Tout est possible. Oui. Il tout reste est possible. C'est l'école de la vie. Tout est possible, surtout avec une BFM TV, Vincent. Oh ouais. Eh oui, on y va. Qui a dit? Nous, ses parents, nous sommes tranquilles depuis des années. Et puis un jour, quelqu'un sonne à la porte et c'est Tanguy qui revient, 44 ans. Ah, c'est Dussolier. André Dussolier, oui, qui a annoncé ce matin le retour de Tanguy. Le retour de Tanguy, Tanguy 2. Oui, ouais, bah après ça, c'est la culture générale. Alors, Sabine Azéma, André Dussolier dans ce film, et on ne se souvient jamais du nom du comédien qui incarne Tanguy. Ouais. Oui, Éric Berger. Il a fait que Tanguy, lui, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. Pour ça qu'il va en faire un deuxième, comme ça, c'est une deuxième chance pour lui. Pour l'équipe d'Imeco. On va faire un face-à-face. Moscato, Évangé, Épée. Sur un qui a parlé. D'accord, les amis? Maryse, Vincent, vous vous concentrez. Ça va mieux, monsieur? Bonjour. Pierrot. Pierre Dorian. Oui, c'est une blague. Figuero. C'est une blague. Ah, mais moi, je croyais que c'était Figuero. Oh non, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? 5-0, vous avez mis quand même 7 secondes à démarrer. Mais non, mais parce que je pensais que c'était l'original. Je t'ai montré tout de suite. Je pensais que c'était l'original. Pour l'IKF, qui sont en train de nous écouter, notre fédération, International Kikadi Federation, Maryse a dit Pierrot, j'accorde, c'est Pierre Dorian. C'est son nom, voilà. Elle a pas dit Pierre Dorian, elle a dit Pierrot. Je croyais que c'était l'original. On réécoute. Ah oui, on le reconnaît quand même. C'est Pierrot. Quel gros, c'est plus travaillé. Bon, 5-0, va falloir réagir vite là maintenant. Un deuxième kick à parler pour tout le monde peut-être. Bon, finalement, tout ce qui vous arrive d'extraordinaire depuis quelques années, vous le vivez comment? Yeah, it's amazing. I mean, the only thing I can say is God is great. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est grand avec moi depuis quelques années. Federer? Non. Van Niekerk. Van Niekerk, bonne réponse de Maryse et Vangé. Wade Van Niekerk. J'aurais dit Pierre Dorian. La star de l'athlétisme qui a le genou. 6-0. Le genou dans la boîte à gants. Crac. Bon, alors, je sais pas, je vais essayer d'avantager peut-être Vincent. Non, c'est le hasard de l'ordre. Ouais. C'est une question de rugby. Donc peut-être que. Je veux pas tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Nous voulons être. Imprévisible dans notre façon de jouer. Non. Nous souhaitons être bons dans tous les domaines. Non. Mettre la balle dans l'espace. Quelqu'un qui s'est fait manger le cerveau, je pense, par son entraîneur qui s'appelle Eddie Jones. Ah, c'est eux. Action. Non. Ah, c'est eux. Numéro 10. C'est eux. Mais non, c'est Ford. George Ford. Merde.
Égalité. Il est dégoûté. Égalité. Égalité. George Ford. Une question à 6 points. 6-1. Ah, vous ne connaissez pas les nouvelles règles, il y a des questions à 6 points. Bravo. Ford. John Ford. Fils de Mike Ford. Fils de John Ford. George Ford, pardon. George Ford, numéro 10 de l'équipe d'Angleterre, qui est, vu son discours, lui, lobotomisé par Eddie Jones. Hein. Putain. Ouais. Allez, remonte. On continue. Qui a dit « Maintenant que j'ai terminé de jouer, qu'est-ce que je fais ?» Je pilote des hélicoptères comme pilote professionnel. Richie McCaw, bien, la légende des Blacks, Ricky McCaw. Ah, bonne réponse de Moscato. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a monté une entreprise d'hélicoptères à Christchurch. Et du coup, tous les jours, il pilote des hélicoptères. Son grand-père était un héros de la RAF pour l'équipe de la bataille d'Angleterre. Oui, c'est bon, ça va, tu l'as dit 100 fois. Voilà, je suis aussi voilà. Question auditeur. Julien et Laurent. Julien et Laurent. Allez, oui. Oui. Quel est le nom de famille du président du Stade Rennais ? L'État. Oui, bonne réponse. C'est un back-to-back à l'envers. C'est qui ça ? Non, c'est pas la même question. C'est évidemment Julien, il a trouvé tout à l'heure. Eh oui, mais c'est le hasard, comme ça. On pose une troisième fois, tu verras, ça va courir Julien. Eh oui, évidemment. S'il y en a un qui trouve la première fois, il trouve la deuxième fois. Ah non ? C'est pas parce qu'il trouve. Non, mais c'est pas parce qu'il trouve la première que je vais annuler la deuxième question. Fais la troisième fois. Dorian Dimeco. Ah. Voilà, parce que la raclée, ça se joue aussi en face à face. Dorian Dimeco, foot. 23 joueurs sont réunis à Clairefontaine chez les Bleus. Quel est le seul joueur qui représente les Girondins de Bordeaux ? Costil. Costil, Benoît Costil, le gardien de but des Girondins de Bordeaux. Hop. 8 à 2. Les mardis et les carottes. Il est chaud, il coule. Hein. BFM TV, Vincent, tente. Ah ouais, c'est la jolie. Ah non, mais tiens, on va annuler la BFM TV parce que je vais encore oublier. Et c'est le grand moment. Et j'ai mon ami qui va rentrer en studio, notre producteur bien aimé. C'est une par semaine. Oh purée. C'est ce qu'on appelle dans le Moscato Show, dans le Kikadi, la charade de Frédéric Pouillet. Frédéric Pouillet, bonsoir. Fleu-fleu à tous. Charade, Fred. Allez, c'est parti. Mon premier était une madame sulfureuse. Mon deuxième est une spécialité culinaire japonaise que l'on peut traduire en Claudio français Ranieri. Par chose rouleau. Mon troisième est une moitié d'ukulélé. Mon tout est entraîneur. Makelele, Claude Makelele. Quel talent. Marise et Vengé. Marise, je t'aime, Marise. Claude Makelele. Voilà. Ah, les Makis, j'avais dit sushi, moi. Je cherchais le sushi Lélé, moi. Claude Sushi Lélé. Ah ouais, je cherchais sushi Lélé. Moi, j'avais au début Claude Rilélé, puis j'ai dit non, ça va. Claudio Ranieri, moi, j'ai dit. Bah, FM TV, s'il vous plaît, la vraie. Allez, allez. Qui a dit ? Ah, Vincent, ça va te rendre dingue, là. Qui a dit jouer la comédie, c'était pour payer le loyer. Et là, je viens de vendre mon entreprise de tequila pour $1 milliard. J'ai plus besoin d'argent. De par Dieu. Non. Banderas. Non. C'est qui, De Niro ? Non. C'est comment il s'appelle ? Bon gosse. Pacino. Ben Affleck. Brad Pitt. Non. Ben Affleck. Du jardin. Clooney. Oui. Et $1 milliard, il a vendu sa boîte tequila, de tequila. Wow. Ouais, ben. Donc effectivement, il dit qu'il a plus besoin de travailler. Bah oui. Donc il va choisir ses rôles, voilà. Il va même faire des films, tu sais qu'il est réalisateur, Clooney. En voilà un qui choisit ses rôles. Tu sais que moi aussi, c'est pour ça que vous ne voyez pas souvent, c'est que je choisis mes rôles. Toi aussi, t'as décidé de te mettre en retraite. Tu as vendu les veines de Gaillac, 100 euros. 1 million, mais 2 centimes. Allez. C'est fort. Allez. Qui a dit ? Décima. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner la recette miracle et dire comment on va changer les choses. La porte. Simon, je me rends qui dit ça parce qu'il vient d'arriver. Et c'est l'étang. Mais oui, Olivier Létang. Et ma foi. Le président de Rennes. Voilà. Le double back-to-back. Donc 10 à 3 pour l'équipe d'Imeco. Allez, toi levé, toi levé là. Il reste une minute. Il me reste une question. Ah non, mais après tu vas te poser une autre. Allez. Tu vas trouver une. Macron, il est ni de gauche ni de droite. Je voudrais qu'il soit royal et de gauche Barouin, et de droite. Barouin. Non, il donne des conseils à Macron. Non. Hulot. Et bien Strauss-Kahn. Oui, Dominique Strauss-Kahn, Vincent. Dominique Strauss-Kahn. Toujours la question PS. Égalité. Pour Vincent, toujours. La question. Mais oui, mais Strauss-Kahn a dit que le PS était en train de mourir. Allez, c'est terminé, victoire de Julien. Bravo Julien. C'est une décima quand même, Marie, c'est bien, non ? C'est pas mal. Un séjour au ski d'une semaine à Risoul 1850 pour deux personnes. Bravo à toi. Si tu veux avoir des détails sur ce qui t'attend, tu vas sur risoul.com.